Et salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Shadow of the Colossus. On attaque du coup le 8ème titan. Alors, pour faire simple, pour vous tout vous dire en fait, j'ai trouvé une petite salle où on peut prier. C'est la première que je trouve depuis les 7 titans d'avant. Hein. Et comme vous voyez, j'ai tourné un petit peu en rond parce que je n'arrive pas à trouver l'entrée secrète du prochain titan. Sachant que le prochain titan se cache sous une forêt, à ce qui paraît, de ce qui est dit du démon. Et escalade les murs, voilà, c'est tout ce que je sais de ça. Et malheureusement, j'arrive pas à trouver l'entrée secrète de ce titan. Et j'ai déjà fait plusieurs fois le tour et j'ai jamais fait gaffe. Et ok, je viens de trouver l'entrée. Alors si je ne dis pas de bêtises, allez, en plus c'est de là d'où je viens. Ok. Alors je pense que j'ai tracé assez vite parce que quand je viens de là-bas, j'ai dû passer au-dessus de ce rocher-là et j'ai pas vu cette entrée. Et je suppose que c'est l'entrée que je cherche. Ok. Bon, j'ai bien fait de faire le tour plusieurs fois et de pas lancer la vidéo maintenant. On va essayer de trouver ça. Moi, je pense que là, je suis sur le bon route. À mon avis, j'ai trouvé le bon endroit. Oh, bien. Ça, c'est chouette. Ok, ça, c'est canon. Ça, j'aime bien. C'est vraiment magnifique. Comme toujours en fait, hein, au final c'est toujours la même chose avec Shadow of the Colossus, on n'est jamais déçu par les décors quoi. En fait la route pour trouver les différents colosses, c'est à chaque fois un plaisir en fait, c'est une petite routine, c'est d'abord se faire... Oh bien! C'est d'abord se faire plaisir en fait avec les différents... avec les di le du enfin, avec le voyage en fait tout simplement, les différents décors. Et... Ouais ok, d'accord. Je suppose qu'il doit être... Alors je pense pas qu'il soit dans l'eau. Ok, il doit être. On voit là-bas. Je vais tout simplement aller là-bas. Hein. Alors ça me fait chier parce que je joue en nageant. On va tenter. À moins qu'il y ait un chemin en faisant le tour. Peut-être pas. Bon, dans le doute, on passe par là. À chaque fois, c'est un vrai plaisir de voir tout ça. Hein. Là, le décor là. C'est assez énorme. Hein. Alors, je me demande si les poissons là-bas peuvent me bouffer. Je pense pas. Hein. J'espère pas. Ah oui, je nage comme un gros pied. Hein. Ouais, ça, c'est clair. On n'est pas beau à voir. Même là, on se pareil. Donc c'est la petite routine, se balader, voir un peu des beaux décors et après on affronte les gros colosses. J'espère que celui-là va aussi bien passer. On va essayer de piger ça. Mais si c'est un peu trop long, je vous ferai une petite coupure au montage pour pouvoir vous montrer exactement de quoi il en retourne. Ok, ça va être bon. Alors plusieurs passages. Non, là c'est effondré. Je me demande si je peux passer du coup. Il va peut-être falloir que... Ah, il faut que je grimpe, je pense. Yes, c'est ça. C'est bien ça, ok. Alors est-ce que ça passe en une seule fois ou faut que je monte au-dessus? On va monter au-dessus. Voilà, super. Ah. On dirait une arène. Sympa. Par contre, du coup, avec sa carapace, je sais pas si on peut monter dessus. Ah, maintenant, je fais toujours gaffe au poil en fait. Oh, la musique est sympa aussi. Alors, je fais toujours gaffe au poil parce que là, c'est là où on peut s'accrocher, c'est là où on peut faire des choses. Bon, on va descendre, on n'a pas trop le choix. Et là, de ce que j'ai vu de loin, on m'aurait dit que le carapace. Je sais pas du tout comment on va pouvoir l'avoir. Il est encore loin, je pense qu'il va encore falloir descendre. Je suppose que si l'escalade les murs, il y aura un truc à faire avec les escaliers, hein, je pense. Hein. Il y aura une histoire comme ça. Bon, déjà, c'est effondré. Par contre, j'ai une vue dégagée sur lui. Non, si c'est bon, on peut descendre. Alors, est-ce que je descends pour le défoncer ou est-ce que... Oui. Ce qui me fait un peu peur, c'est que s'il monte les murs,
Je sais pas si je pourrais. Bon, on va voir, on va voir. Je pense qu'il y aura un truc. Parce que si le démon l'a précisé qu'il escaladait et qu'il aimait bien monter au mur, il y a d'ailleurs un truc quand même. Merde. Tant qu'il me voit pas, je vais en profiter pour savoir où taper. À ses pattes. Ouais, ça doit être ses pattes. Ok, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est. Ouais, y'a rien pour se tenir. Hein. C'est ça sa tête? Bon, bah, c'est bien les arts en tout cas. Hein. Ok. Bon, ça c'est clair. Je pense que là, y'a aucun moyen pour le monter dessus. Oula, réveille-toi, mon coco là. Allez. Reste pas là, reste pas là. Ah, ouais, d'accord. Ah, ok. Il peut me tirer dessus. Il faudrait que j'arrive à monter et pour l'analyser en fait. Ok, il est où? Ah, ok, ça monte. On va éviter de rester là. Oh, bah, je n'aurais pas le regarder par là en fait. Ça va être plus simple. Il faudrait que j'arrive à comprendre comment il marche. Par contre, c'est marrant parce que sa tête va pas du tout avec son corps quoi. On dirait qu'il a un vieux masque pourri. Oula, 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 j'aime pas ça. Il m'a vu en tout cas, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'il y a un truc à faire avec l'arène. Par contre, j'ai vu ses pattes, est-ce que je peux lui tirer dessus? Merde. Ah oui, ça le touche, ok. Mais est-ce que ça suffit à. Oula, j'aime pas ça. Ah, bien. Enfin, je désactive les quatre pattes, c'est ça? Oh, bien, bien, bien. Comment je fais? Yes, ça passe comme ça. Yes, 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 c'est cool. Elle est où sa marque? Là, là, là. Ah, nickel. Ok, super. Ça marche, il faut le faire tomber en fait. On va vite se barrer avant qu'il m'écrase. Ah, il m'a tué en m'écrasant. Ok, ça marche. Au moins. Au moins, je sais comment le tuer. Ça, c'est plutôt cool. Ça marche. Allez, on est reparti. On va passer. Il faut que je le force à monter sur les rochers. Faut que je le fasse tomber. Et à partir de là, je peux lui planter mon épée dans le dos. Ok, il est déjà là-bas. Ok. Ces tirs font extrêmement mal. Je pense avoir le temps. J'avais pas en fait connu la phase où il est en l'air. Non, ne redescend pas, non! Ok, ça sert à rien, je pense. Il faut vraiment que qu'il monte, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me prends encore un tir, je suis dans la merde. Hein. Le black qui monte. Non? Si, il monte. Il va monter. Voilà. Ah non! Si, c'est bon. Il tombe? Ou ça suffit pas? Ça suffit pas, il en faut une deuxième. Yes, ça suffit. Là, ça doit être bon. Yes! Ça va être tendu quand même. Hein. Son tir m'a fait énormément de dégâts. Allez. Mettre plus de force que ça. Ok. Une dernière petite fois. Ok, maintenant on se casse. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh non! Non, non, non! Ah! Ok.
Ok, allez, on prend l'arc, on la tire et on va commencer. Si en plus je peux lui faire perdre un petit peu de vie, ça va bien. Sauf qu'il monte par là où je ne veux pas. Ok. Voilà, on va prendre une vue bien dégagée. Ok, ça va. J'ai eu chaud. Encore! Oh non! J'ai pas le temps de tirer à chaque fois. Ok. Voilà, première c'est bon. Ça arrête son tir. On tire dans la deuxième jambe et là c'est bon. Ok, allez, on y va. Il faut vraiment, pendant qu'il tire, c'est là où il est stable, c'est là où je peux le défoncer. Allez, une deuxième fois. Une petite troisième et après j'y vais. Allez, on se casse maintenant. Voilà, ok. En fait, il tire une fois et il s'arrête. Il s'arrête pour tirer, il faut que j'arrive à le tirer là avant qu'il tire sa boule, comme ça l'arrête. Et après, j'ai plus qu'à tirer sur une deuxième patte et c'est bon. Il faut juste choper le timing et après ça passe bien. Ok, allez, on va le faire grimper. Avant de lui le grimper. On va reprendre l'arc. Il est déjà en haut? Non, il est encore en bas. Ok. Si je peux le faire perdre un petit peu de vie comme ça, moi ça me va bien. On va peut-être juste se placer correctement. Il le voilà qui grimpe, c'est bon. Il faut juste être rapide au moment où il va charger. Voilà. Nickel. Deuxième patte. Yes, c'est bon. On y va. Je vais le faire que deux fois là, je pense. J'aurai pas le temps d'une troisième. Voir une petite fois. Ouais, c'est bon. J'ai pas fait grand-chose là. Ah non, ils sont tombés du mauvais côté. Ouh, je crois que j'ai chaud. J'ai quand même pris des dégâts. Mais ça va. J'étais encore un petit peu trop gourmand. J'ai mal tapé en fait. J'ai pas été jusqu'au bout de ma force. Et ça, je pense que ça va me faire perdre un peu de temps. C'est pas grave, je vous couperai le petit moment chiant au montage. Je ferai un petit truc rapide, ça va être cool. Première. Deuxième, on est bon. Voilà. Ok, il faut vraiment, vraiment pas que je tape trois fois. C'est deux fois sûr et après c'est tout. Là j'en suis sûr maintenant, c'est deux fois et pas plus. Parce que quand il commence à se retourner en fait, il me tape un peu, il me donne des petits coups, il m'écrase pas forcément, il me donne des petits coups et ça fait perdre de la vie. Donc c'est bon à savoir. Mince. Ah, et le poison me tue, ok. Allez, on va rester une dernière fois et on verra ça bien. Ok, donc maintenant on est sûr. On est deux fois sur lui, on le tape deux fois. Il faut tout de suite remonter. Le timing est chopé, le monstre est maîtrisé. Je pense que maintenant c'est juste moi qui suis trop gourmand et qui va aller trop vite. Mais maintenant que l'ensemble des paramètres est maîtrisé, on va se faire plaisir. Mince, faut que je descende déjà. Je suis bête. Voilà. Tout ce qui peut lui faire perdre un petit peu de vie avant, moi ça me va bien. Hein. Le voilà. La première est passée, j'étais pas sûr dans le doute, elle a mis un peu de temps à arriver. Deuxième patte, et logiquement c'est bon. Allez, on trace. Ah, je suis pas du bon côté en plus. Allez, grimpe. On va avec deux fois. Ah, c'est pas marché, ok. J'ai tapé la cuirasse, dommage. Allez, viens. Je sais que tu veux me cracher dessus. Allez, viens. Voilà. Tu vois, je te le dis que tu veux. Voilà. Le timing est chopé. Là, ça se voit maintenant. Ça passe tout seul. Juste bien me mettre où il faut. Voilà. Une fois. Une deuxième. Et on se casse.
Vraiment pas prendre de risque là-dessus. Le timing est trop chaud en fait, hein, j'ai pas le choix. Je peux y aller que par deux coups. Maintenant c'est maîtrisé, c'est sûr. Tous les facteurs sont maîtrisés, on est bon. C'est celle-ci. Ça c'est pour récupérer de la vie. Et là on va le taper avec ça. Un petit peu de vie, c'est toujours c'est gagné. Hein. Je ne crache pas dessus. Wow, va-t'en. Ça va. Le voilà qui monte. Non, si tu montes. Si, allez bien. Non, 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 tu craches pas. Sage. Allez. Allez, on sort l'épée. Et on y retourne. Une petite grimpette. Hop. Voilà. Allez, sage. Allez, on a peut-être été un petit peu gourmand. Ouais, c'est trop gourmand. Ok, c'est sûr. J'ai encore voulu faire le gourmand pour être sûr, mais non, c'est vraiment deux fois. On peut pas aller plus vite que ça. Le colosse, c'est plus long. Il est plus rapide pour se relever que 3 coups. Donc on va rester sur 2 coups et puis tant pis. On va faire ça au fur et à mesure. Je vous ferai des petites coupures sinon ça va vraiment être trop long. Allez, on y retourne. Deux petits coups. Ok, premier. Deuxième, ok. Je me demande si on peut aller un peu plus vite en passant par l'autre marque. Je sais pas, parce qu'elle a l'air plus loin à choper. Donc j'ai peur de perdre du temps, mais ça se trouve elle fait plus de dégâts. On va voir. Je vais tenter pour le prochain. J'ai récupéré suffisamment de vie pour me le permettre, je pense. Mais là ça change parce que c'est complètement différent. C'est plus une histoire de timing qu'une histoire de gérer sa jauge de vigueur en fait. Ça change. C'est plus du tout la même histoire en fait. Hein. Oh, ça suffit aussi. Avant même qu'il tire, ça suffit. Dès qu'il monte en fait, ça suffit. Pas besoin d'attendre qu'il. Oh, je suis bien placé en plus. Parfait. On va tenter l'autre marque du coup. Ah bah, je crois qu'il n'y a plus que celle-là en fait. Pas besoin d'attendre qu'il crache pour le défoncer. Ok, alors on se casse. Il va me défoncer sinon. Nickel. Ok, c'est bon à savoir. Allez, peut-être un moyen plus rapide que ce que je fais là. Ça se trouve, je peux rester. Non, je pense pas. Si je reste en bas, à mon avis, je pourrais pas l'avoir. Il est où? Il est là. Ok. Première. Ah, la deuxième, j'ai pas la vision pour la deuxième. Si ça suffit. Si ça suffit. Yes. Nickel. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Allez vite. Est-ce que je peux grimper par là? Oui. Énorme. Ok, allez, plus qu'une petite fois ou deux. Et ça devrait suffire. Allez, on y retourne. Ouais, mon chat m'a fait peur, punaise. Alors mon chat me fait pas peur comme ça. Bah oui, hein. Mince, hop, pour prendre ça. Oh, il va monter. Oh, mince. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai pas vu venir celui-là. Allez, plus droit à l'erreur. Ok, il est où? Il est monté, ça y est? Non, toujours pas, il est pas monté encore. Ça y est, le là. À partir de là, je peux le taper. Première. Deuxième. Allez, non, c'est la bonne ou l'avant-dernière. Allez, cours, 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 cours.
Yes. Sachant que là j'ai plus vraiment plus le droit à l'erreur. Hein. Il m'a bien défoncé. Ça va se faire en deux fois. Ouais, en deux fois je pense. Je prends pas le risque, je prends pas le risque. J'ai trop peur de crever. Puis là crever à ce moment-là, alors que ça fait déjà un petit moment que je me le défonce, ça me ferait vraiment chier. On prend pas de risque, on refait une dernière fois, une dernière petite ronde. Et ça va passer. Ah là il me voit par contre. En réalité il reste là comme tout à l'heure, pas envie de me faire défoncer. J'aurais pu le tuer avec, avec le peu qui lui restait, je pense que j'aurais pu tenter. Mais j'ai trop peur qu'il me mette un peu de dégâts au moment où il a voulu se retourner et me défoncer. Pas pris le risque et je pense que j'ai bien fait. Ah! Il veut pas grimper. Bon, en soi, c'est pas un des plus compliqués. Hein. Pour l'instant, celui-ci m'a pas dérangé. Ok, le black il monte. Est-ce que la hauteur là suffit? Non, je pense pas. Yes, deuxième. Yes, allez, non, c'est fini. Cette fois-ci, c'est la fin. On va l'achever proprement. On va aller même lui grimper sur la tête. Ah! Non! Ça y est, c'est bon. Écaille du Colisée. Ouais, c'est ça, hein, tout à fait. Mais ça, parce que sa statue me laissait pas du tout penser qu'il aurait. Alors, la tête là, si, mais. Je sais pas, sa tête correspond pas du tout à son corps. Je trouve ça bizarre. C'est vrai qu'il a une sorte de masque. C'est un peu dommage ça. Sans soi, le lézard était plutôt une bonne idée. Hein. Moi, j'aimais bien. Et on est enfin à la moitié. On vient de faire 8 colosses, sachant qu'il y en a 16. Peut-être un de plus, je sais pas. Ça se trouve, à la fin des 16, il y aura peut-être un monde, un boss de fin. Je sais pas du tout. Eh, on commence à entendre de plus en plus fort. Hein. Plus on tue de colosses, plus on entend la gonzesse. Enfin, je suppose que c'est elle. Hein. Du nouveau. Oh, bien! Ok, c'était plutôt bizarre. Ça me foutrait beau de me réveiller avec ça autour, hein, quand même. Alors, on arrive à la moitié, ça y est. Il reste encore l'autre moitié à faire. Ok, ça marche. Bon, ça va pas être de tout repos, je pense, pour la suite. Est-ce que je pourrais réagir avec elle? Non, je peux pas. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, c'était un très bon épisode. Un colosse un peu moins costaud que prévu. Mais faut bien avoir le timing, c'était plutôt sympa. On se retrouve du coup pour à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Shadow of the Colossus, pour le prochain titan qui aura un réveil plutôt compliqué. Allez, je vous dis à très vite. Ciao à tous.